Good morning, Alei Eden. Nous sommes le lundi 21 Adar Alef 5776 et l'étude sera Leilui Nishmat Rivka Batsara et Rachel Batsara. Nous étudions Baba Kama Perek Gimel Mishnah Yud. Yesh Chayav al Maase Shoro Batur al Maase Atzmo. Batur al Maase Shoro Vechayav al Maase Atzmo. Shoro Shebiyesh Batur. Vehu Shebiyesh Chayav. Shoro Shesimet En Avdo Vipilet Shino Batur. Vehu Shesimet En Avdo Vipilet Shino Chayav. שורו שחבל באביו ובאמו חייב, והוא שחבל באביו ובאמו פטור. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו. Le but de cette Mishnah est de comparer Adam Amazik et Shor Amazik, des cas où l'homme cause un dommage et le cas où le taureau cause un dommage. Dans certains cas, on va m'imposer à moi de rembourser le dommage parce que je suis un homme, alors que si c'est mon taureau qui va causer le même dommage, on va dire, ah, puisque c'est mon taureau, tu seras dispensé, pas tour. Et inversement, il y aura des cas où mon taureau payera certains dommages, et si moi, je réalise le même nézek, le même dommage, je serai dispensé de payer. C'est ce que la Mishnah nous dit, « Yesh chayav al ma'ase shoro ou patour al ma'ase atzmo. » Il y a des cas où on est chayav, on est imposé de dommager al-ma'ase shoro sur le fait que son taureau a causé le dommage, ou patour al-ma'ase atzmo. Tandis que si lui-même avait réalisé ce dommage, il aurait été dispensé de payer. Et inversement, patour al-ma'ase shoro, vechayav al-ma'ase atzmo. Il y a aussi des cas où on sera dispensé de dédommager si c'est mon taureau qui cause le dommage, tandis que moi, vechayav al-ma'ase atzmo, tandis que moi, je serais chayav de rembourser, l'homme sera chayav de dédommager s'il a fait lui-même l'action. Premier cas, on va rapporter, en fait, je vous explique tout de suite, on va rapporter deux cas où le taureau cause le dommage et il est dispensé, et l'homme qui réalise le même dommage sera, oui, chayav de payer. Et ensuite, dans la Seifa, on va prendre deux cas de figure, cette fois-ci, où l'homme sera dispensé de payer et le taureau devra dédommager, d'accord? Ça va faire deux cas. Premier cas, d'abord, premièrement, Shoro Shebiyesh Patur Veo Shebiyesh Chayav. On a déjà introduit à la fin, à la dernière Mishnah du Perek Bet, et là c'est l'occasion de rappeler un petit peu, c'est les cinq tachlumim de l'homme qu'on développera amplement quand on arrivera au Perek Chet de Baba Kama, au huitième Perek de Baba Kama, mais pour le moment c'est bien de les rapporter un petit peu, de les évoquer même rapidement. Ça nous aide ensuite, parce que quand on va les étudier de fond, on sera déjà habitué un petit peu aux notions. L'homme qui cause un dommage doit dédommager sur cinq plans. Nezek, Tsahar, Ripouy, Chevet, Bochet. On va prendre un cas un petit peu fréquent. J'ai mis un mauvais point dans la tête de mon voisin en lui déboîtant la mâchoire. Ça m'arrive tous les jours. Je dois le dédommager sur cinq plans. Nezek, le prix de... Alors, le prix du membre dédommagé, du membre dévalué. À partir de maintenant, il va garder à vie un déboîtement de la mâchoire qui cause une certaine gêne, peu importe. Par contre, ce principe, au marché des esclaves, un esclave qui a une mâchoire déboîtée coûte tant et tant de moins. Donc, on va dire que cette différence-là est le prix de la mâchoire déboîtée. Ça, c'est Nézek. Tsahar, au moment où je lui ai mis le point, il a eu mal. Alors on va maintenant évaluer combien coûte la douleur. On va montrer quelqu'un que de toute façon il est condamné à recevoir un point en lui disant combien tu es prêt à prendre un petit anesthésiant pour éviter la douleur. Ce sera le prix du tsahar. Tsahar, la douleur. Ripouille, les frais médicaux. Maintenant, pour qu'il puisse désenfler sa mâchoire et récupérer tant bien que mal son utilisation, alors là, il y a des soins médicaux à lui apporter. C'est des soins médicaux. Ripouy. Ripouy, mais la chambre n'est rapote, comme on dit dans la tefila, refaenu. Le guérir, un refait. Chevet, comme Shabbat. Shvita, le chômage. Chevet, ça veut dire, après le mauvais point, il a passé deux jours, trois jours à l'ité. Ça ne m'arrivait pas tous les jours, en fait. C'est tous les trois jours. D'accord? Donc, il a passé trois jours à l'ité. Et il n'a pas travaillé, donc il n'a pas entré d'argent. Pas en train d'argent, donc je dois lui dédommager aussi, lui payer le chevet. Et le dernier, c'est la honte. En bon français, la chôme,
Il a eu 11, je lui ai mis le point devant tout le monde, devant. Voilà, il a suivi la grande chaume du quartier. Là, il y a un prix aussi spécial qui s'appellera Bochette, payez la honte. D'accord? Donc ça fait 5 tachlomim. Ces 5 tachlomim sont singuliers au Adam, Amazik, Adam, l'homme qui cause un dommage à un autre homme. Si je lui fais honte en lui tuant son chien, je ne lui dois que le prix du chien. Ni tsar, ni ripouille, ni chevette, ni bochette, ni rien du tout. Idem. Si mon taureau cause un dommage à même mon voisin, mon chien, la graisse, alors je devrais juste lui payer le, par rapport au cas de la mâchoire déboîtée par exemple, alors je devrais juste lui payer le prix de la mâchoire déboîtée selon le marché des esclaves, ni lui payer le tsar, ni le ripouille, ni chevette, ni la bochette. D'accord? Je dois lui dédommager juste le nézek. Donc premièrement, la première différence entre les dédommagements de l'homme qui cause le dommage ou du taureau qui cause le dommage, donc ce sont les 4 tachlomim en plus du nézek. Nézek, dans les deux cas, je paye. Nézek, c'est le prix du dommage, la dévaluation du membre. Mais tout le reste, tsar, ripouille, chevet, bochette, je ne le lui dois plus. Dans notre Mishnah, spécifiquement, le Tana a préféré utiliser juste le mot bochette, le dernier tachlom, le cinquième, la honte, quoi. Il y a une raison spéciale, mais si je dois l'expliquer, ça va prendre trop de proportions, c'est dommage. Autant se concentrer sur la compréhension du texte, elle est assez nette. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Choro shebiyesh patour. Si son taureau cause le dommage au voisin, alors je ne dois pas dédommager la honte. Dans un corps, par exemple, il n'a pas eu ni de douleur, ni de membre détérioré, il a juste eu la honte. Il lui a, restons polis, fait tomber sa chemise, pour rester poli. D'accord? Donc si c'est le taureau qui lui cause le dommage, il lui doit rien. Alors que si c'est un homme qui lui cause le dommage, même s'il a fait aucun ézec, il doit le dédommager. C'est la boucha. D'accord? C'est clair? Veouche billet et shraïf. Pendant que c'est lui-même qui cause ce dommage, de lui faire honte, il devrait lui rendre trahiaf de payer. On continue la suite de la Mishnah. On va d'abord introduire. Non, on le lit d'abord. Shoroshi simet en avdo, veipi le chino patour. Veouche simet en avdo, veipi le chino chayav. On traduit d'abord. Si mon taureau rend mon esclave aveugle, il lui détériore sa vue. On va prendre d'abord un cas même kitsoni, un cas extrême un peu, où il lui a mordu l'œil. Il a plus laissé d'œil, donc il est devenu aveugle complètement même. Donc, Sima et en avdo, il a rendu Souma, mais la chambre Souma. Souma, c'est un aveugle. Il a aveuglé mon esclave. En avdo, aïn, l'œil, avdo de l'esclave. Veipi le cheno, ou bien, il lui a fait tomber une dent. Alors, pas tour. Vous allez me dire, c'est normal, c'est mon esclave. Je ne dois pas me dédommager à moi-même. C'est vrai. Mais alors, dans ce cas-là, on lit la suite, et comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle. Vehu shesimet en avdo veipi le chino chayav. Si moi-même, je me fâche avec mon esclave, et je lui mets une mauvaise claque, au point de le rendre aveugle, ou bien de lui faire tomber une dent. Vehu, moi-même, l'homme, shesimet en avdo, qui a rendu aveugle l'œil de son esclave, ou bien qu'il le fait tomber une dent, chayav, il est imposé. Imposé de quoi? Alors l'idée, elle est très simple. C'est méforage, c'est explicite dans la parashat Mishpatim. Quand on a un Eved Knani, un esclave, attention, on ne parle pas d'un esclave juif. Dans la Torah, il y a deux sortes d'esclaves. Il y a l'esclave juif et l'esclave qu'on a acheté qui était initialement en Goy. Il y a plusieurs différences. Ce n'est pas du tout le sujet de Baba Kama de parler de ça dans les détails. Mais il y a quand même... Bon, on va juste se contenter de l'esclave qu'on a acheté au marché des Goïm. Les Goïm n'ont vendu. À partir de maintenant, cet esclave, alors il a des lois bien spéciales. Il s'appelle Ebed Knaani. C'est un bien qui m'appartient. Mais il y a une halakha spéciale. C'est que si je lui détériore, explicitement dans la Torah, c'est écrit, je lui détériore l'œil ou les dents. En réalité, je lui détériore n'importe quel membre externe. C'est-à-dire, je lui abîme la vue, l'odorat, la bouche, les oreilles, même les doigts, je lui coupe un doigt même. Alors il y a une halakha que je suis imposé de libérer désormais mon esclave. Il va devenir un homme libre qui va me devenir juif. Comme un guerre en fait. D'abord, il faut savoir, même quand l'esclave il est goy, en réalité, il a plein de halakhot sur lesquels il est imposé. Il est imposé au même titre qu'une femme, qui doit faire toutes les mitzvot de la Torah qui ne dépendent pas du temps. Mais là, c'est vraiment pas notre propos. En tout cas, concrètement,
Cette halakha la spécifique que si je lui crève l'œil ou si je lui casse une dent, je dois le libérer, c'est uniquement quand c'est moi-même qui lui cause le dommage à mon esclave, bien évidemment, et pas quand c'est mon taureau qui lui cause ce dommage. C'est clair? Pourquoi j'ai insisté moi sur mon esclave? Parce que si moi je cause un dommage à l'esclave de mon voisin, je dois plutôt dédommager mon voisin. Le fait qu'il a à partir de maintenant un esclave dévalué qui est moins pratique, il voit que d'un œil, il peut moins surveiller, il peut plus tirer, c'est plus un tireur d'élite. D'accord? Ça c'était pour si on rend esclave. Donc ça c'était deux cas où l'homme, les dédommagements de l'homme sont plus stricts que les dédommagements du taureau, c'est clair. On va pas, d'accord. Donc on a vu le cas de la boucha, en fait, qui implique en fait les quatre tachlumim, tsar, ripou, yishev et bochet. Et à part ça, le fait qu'on doit libérer l'esclave quand on lui a crevé l'œil ou quand on lui a cassé une dent. On passe à présent à la seifa, la deuxième partie de la Mishnah. Cette fois-ci, on va voir que des cas où je suis chayav si mon taureau cause un dommage, mais si moi-même je faisais cette action, je serais dispensé. Comment c'est possible? Mon taureau est plus responsable que moi. Alors là, c'est là où il y a la feinte. Il y a une halakha, petite introduction d'abord, une halakha qui s'appelle Kim le Bederaba Mine. De manière générale, lorsque, on va illustrer ça tout de suite avec un cas. Toujours moi, je suis très violent. Non, on va prendre le cas de quelqu'un qui poignarde son prochain et qui le tue. En plus de le tuer, il lui abîme même sa belle chemise Ralph Lauren, 400 shekels, partie à la poubelle. Ça fait beaucoup de peine quand même. Hein. Donc il a tué, et en plus de ça, il a causé un dommage monnaie d'argent. La halakha nous dit, la Torah nous enseigne, quand tu dois juger sur deux plans, le plan argent et le plan meurtre, tu t'occupes juste de juger la halakha stricte, et tu t'occupes plus de la halakha de moindre niveau. C'est-à-dire, en l'occurrence, puisqu'on va tuer la personne, le meurtrier, on va le tuer. Alors, dans ce cas-là, on est occupé au Beit Din à juger pour condamner à mort. On va plus s'intéresser en plus au dédommagement de la chemise. C'est la fin qu'on dit Kim le Bederaba Mine. Te Kayem, il a chanté Kim le Kayem. Ta Selo, fais-lui Bederaba Mine avec la peine la plus grande. On s'occupe de la peine la plus grande et pas des plus petites peines. C'est la même chose aussi quand il y a des fois. C'est vaste dans la Torah, hein. ça implique qu'on doit tuer et dédommager, mais quand si on doit recevoir malkout et payer, alors là il y a des halakhot bien spéciales, il y a des règles. Je vous ajoute l'idée. Ça c'est ce qu'on appellera Kimle Bederabamine. Le premier cas classique d'abord, il est facile, et le deuxième cas il sera un peu plus mechoudash, un peu plus original. Le premier cas d'abord il est simple. La halakha nous dit, Omake aviv veimo mot yomat. Là toujours la parasha dans Mishpatim nous dit, un homme qui frappe son père et sa mère sans les tuer, qui leur fait juste couler une goutte de sang, est chayav mita. Entre parenthèses, si on a des téléspectateurs médecins, ne soignez pas vos parents a priori, sauf si c'est picor nefesh, dans ce cas la vadaï qui va le tuer. Mais dans la mesure où vous risquez de leur faire même lui faire une piqûre et le faire saigner même une goutte de sang, il y a un issour grave quand un enfant fait ça à ses parents. Un enfant ne doit pas faire sortir du sang de ses parents, ne pas les frapper de toute façon, mais à plus forte raison, s'il risque de leur faire couler une goutte de sang, il y a ici une transgression grave, où on est même passible de mort selon la Torah. Omakea vive veimo mot yumat, celui qui frappe son père et sa mère, il devra mourir. En l'occurrence, un enfant, le renégat, qui frappe son père et sa mère, cette fois-ci je ne dis pas moi, Chas v'Shalom. Un enfant qui frappe son père et sa mère, son père par exemple, il lui met un mauvais coup et qui le fait saigner. Le père, à partir de maintenant, il est devenu paralysé du bras à cause du mauvais coup, mais aussi il a même une goutte de sang. Alors là, le fils, est-ce que le fils doit dédommager le père, en plus sur le fait qu'il est chayav mita, sur le fait qu'on doit le condamner à mort? Alors la réponse, elle est non. Pourquoi? Kimle Bederaba Amine, fais-lui la sentence la plus grave, qui est la condamnation à mort, condamne-le à mort, et il ne devra pas en plus dédommager son père. D'accord? L'idée est claire. Alors ça, c'est ce qu'il y a marqué dans la Mishnah tout de suite. Choro Shechaval Be'aviv Uveimo. Si mon taureau mort, mon père ou ma mère, leur fait sortir du sang, je dois trayav, je dois dédommager mon père et ma mère. Comme si mon taureau avait causé un dommage à n'importe quelle personne sur Terre, que je dois dédommager. Par contre,
Vehu, Shechaval, Beaviv, Veimo, Patour. Moi-même, si je cause ce dommage à son père ou à sa mère, il est dispensé de payer. C'est clair? C'est clair? Maintenant, dans la deuxième partie de la Mishnah, on va entamer un cas particulier de la règle de Kimle Medarvamine d'appliquer la sentence la plus grave. Jusqu'à maintenant, on a pris un cas où concrètement la personne était Chayav Mita, où par exemple cet enfant avait concrètement frappé consciemment son père et sa mère en leur faisant couler une goutte de sang. Et de ce fait, on lui disait, ben, tu es Chayav Mita, puisque tu es condamné à mort, alors tu ne devras plus dédommager. Là, la nouveauté de cette Mishnah, de cette suite, de cette dernière partie de la Mishnah, va être de nous apprendre que même si tu fais sortir sans faire exprès du sang de ton père et ta mère, que concrètement le Beth Din ne va pas te rendre chayav de payer, ne va pas le condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'il a tué sans intention. Donc il est shogeg patour. Ça c'est une règle dans la Torah. Shogeg, on est patour, même si on a une certaine responsabilité, comme on a déjà évoqué. Mais malgré tout, bien sûr, on ne va pas tuer quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat et qui a allumé la lumière pendant Shabbat, par exemple. Il est shogeg. D'accord? C'est fait sans intention. C'est une faute, mais beaucoup moins grave, on n'est pas passible de mort, en l'occurrence. Quelqu'un qui va mettre sans faire exprès un coup à son père ou à sa mère et lui faire sortir une goutte de sang, alors là, il ne va plus être chayav, il va plus être condamnable à mort. Mais malgré tout, puisqu'il a transgressé une faute, où il y a dans cette faute une condamnation à mort, en théorie, alors ce dossier, on va les classer parmi les dossiers qui s'appellent les dossiers graves, et on ne va plus le rendre chayav de dédommager. Concrètement, s'il met un coup à son père, il lui fait couler une goutte de sang et qu'il paralyse son père en plus, sans faire exprès, il ne devra pas dédommager son père, même s'il ne va pas être passible de mort. La Mishnah ne va plus prendre le cas de l'enfant qui tue son père. On a voulu changer de cas pour nous apprendre en plus les deux halakhot que la Gemara va déduire. Mais en tout cas, le principe sera toujours le même. On va prendre un cas d'une personne qui allume un feu pendant Shabbat et fait brûler la maison ou le champ de son prochain. Et la Mishnah va nous dire comme ça. Choro sheidlik et agadish beshabbat. Si le taureau allume un feu, allume un gadish, un tas de foin du voisin, donc pendant Shabbat. Chayab, on est pendant Shabbat. Allumer du feu pendant Shabbat, c'est une avéra, c'est vrai. Mais si c'est son taureau qui le fait, il ne transgresse pas, il transgresse pas de issur de issur melacha. De ce fait, Chayab, il devra dédommager. Par contre, si le propriétaire lui-même allume le tas de foin, de paille du voisin, il sera dispensé de le payer pendant Shabbat. Parce qu'il est pendant Shabbat, allumer le feu pendant Shabbat, c'est un interdit. C'est un interdit où, quand on le fait bémézid, intentionnellement, on est chayav mita, chayav skila, ouais, obligé de passible de lapidation, quand on transgresse Shabbat, Radu Shalom. De ce fait, transgresser Shabbat, même béchogeg, même sans intention, alors on sera dispensé de dédommager. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cet interdit, dans cette transgression-là, dans cette action-là, une transgression où l'on est passible de mort. L'ajout de cette Mishnah, ce n'est pas forcément écrit dans les mots, mais comme ça la Gemara le déduit, on parle même du cas où il le fait sans intention particulière de transgresser Shabbat, qui sera malgré tout dispensé. D'accord? C'est ce qu'on expliquait à l'oral. Une petite remarque quand même, on le reverra tout de suite dans le Bartanora, c'est, on a dit, Choro Shildik et Agadish Beshabbat, le taureau qui allume un feu pendant qui allume le champ du voisin, un tas de foin, pendant Shabbat, qu'il est Chayav, là, l'obligation de dénommager, ce sera Khatsinezek, pour ceux qui se rappellent de la Mishnah, dans le Perek Bet, on avait appris, à Kelev Shonatal Chara, qu'il faut payer Khatsinezek. Avec une particularité, c'est qu'il faudra payer Khatinezek, la moitié du dommage uniquement, Midin Meshune, Keren. Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails pour ne pas alourdir plus, mais en tout cas, on a tout dit. Bon, Hachem. On fait très rapidement le Barthénora. Choroche Biyesh Patour. Choroche Biyesh Patour, son taureau qui fait honte, il sera Patour. Dirtiv, Ish Baamito, Velo, Shor Baamito. On va dire dans la Torah, Kiten, Moum. Ishba Amito. Alors là, le pasouk qui nous enseigne qu'il faut dédommager, qui fait dédommager la honte, là-bas on insiste sur le fait qu'il y a un mot Ish, un homme, Ba Amito, chez son prochain,
Et de là, de cette insistance, on déduit Veloshor Bamito, Inami, autre raison, En Amevayesh Raya Vela Kshemevayesh Bekavana, celui qui cause une honte n'est passible de dédommagement uniquement s'il le fait avec intention. Or, Veshor Lav Mechaven Levayeshmu, tandis que son taureau n'a jamais une intention de faire honte, concrètement. Il y a vraiment de quoi dire sur ça, mais là n'est pas notre mot. Choro Shesima et En Avdo. Ven Aeved Yose Ben Chorin Aliado. Lorsque mon taureau crève l'œil de mon esclave, alors l'esclave ne se fait pas affranchir ainsi. En Aeved Yose Ben Chorin Aliado. Le Eved, l'esclave, ne se fait pas libérer ainsi. Vehu Shesima et En Avdo Chayav. Par contre, si c'est moi qui lui crève l'œil, alors là, on a dit « Chayav, je suis obligé de le dédommager. »« Sheneemar, la chofshi, yeshalechenu » Comme la Torah nous le dit dans Parashat Mishpatim, « Tu le libéreras. »« Shoro, shechaval be'aviu ve'imo chayav betashlume nezek » Si mon taureau cause un dommage à mon père ou à ma mère, je suis imposable de... Je dois les dédommager. « Vehu shechaval be'aviu ve'imo patur minatashlumin » Par contre, si c'est l'homme lui-même qui cause un... qui fait une chavala, une blessure à son père ou à sa mère, il est dispensé. Minatashlomim. Pourquoi? She'en Adam met ou meshalem. Un homme ne se fait pas condamner de deux choses en même temps, de mourir et en plus de ça de dédommager. Shoro she'ilik et agadish beshabbat chayav chatzinezek. Le taureau qui allume un tas de foin de paille pendant Shabbat, il est chayav chatzinezek. Il doit payer la moitié du dommage. Pourquoi? Des méchounés ou parce que il est méchouné, il fait une action qui est inhabituelle. Pour vous rappeler, le fait qu'on fasse une action de manière inhabituelle, imprévue, alors on est chayav mishum keren tam, qu'on doit payer comme mishum keren, quelque chose qui était imprévisible. On doit toujours dédommager à moitié prix quand c'est son taureau qui cause un dommage. C'est un dérivé de keren. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.